Bonjour, bonjour. Namasté. Et bienvenue dans la routine Yoga Banana de ce dimanche. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire un cours pour cultiver la joie, pour cultiver la bonne humeur et pour se permettre d'être heureux tout au long de cette journée et heureux dans votre vie. Donc, nous allons travailler les ouvertures du cœur et l'ancrage à la terre, l'ancrage à l'instant présent. Je suis ravie de vous retrouver ce dimanche. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous avez bien dormi. Je suis en tout cas super heureuse de vous retrouver ce matin sur le tapis. Donc nous allons commencer d'ici quelques instants. Je laisse encore un peu de temps pour que les personnes puissent se connecter au live. Je couperai les commentaires sur Instagram pour que le live soit plus agréable, pour que vous puissiez bien voir les postures. Et à la fin du live, je réactiverai les commentaires pour qu'on puisse échanger. Je répondrai à chacun de vos messages. Je répondrai à chacune de vos questions si vous en avez. En tout cas, je suis super heureuse de vous voir si nombreux sur le live. Peut-être que nous allons dépasser le nombre de personnes de la semaine dernière. Là, il y a 82 personnes sur Facebook et 60 sur Instagram. Vraiment, merci de me retrouver. Merci de me retrouver sur ce rendez-vous du dimanche à 9h, de vous être réveillé pour venir prendre soin de vous. Et je vais vous guider. Donc nous allons commencer. Bonjour. Sur Facebook, pour les commentaires, vous pouvez faire zipper l'écran à droite ou à gauche pour ne pas être embêté par les commentaires. Bonjour à tous, bienvenue. Allez, on y va. Namasté. Et bienvenue dans ce cours de yoga banana, dans ce cours pour cultiver la joie, la bonne humeur, pour s'ancrer à l'instant présent. Je vous invite à venir vous asseoir en tailleur. Peut-être si la position du tailleur est difficile pour vous, n'hésitez pas à vous surélever sur un bloc, un coussin de méditation ou carrément à vous asseoir sur une chaise. L'important est d'avoir le dos bien droit, la colonne bien grande, alignée et d'être assis. Donc que vous soyez assis sur une chaise ou en tailleur, il n'y a aucun souci. Le moment ici est de s'ancrer à l'instant présent et de se connecter à soi. Allez, pomme de main vers le ciel. On vient rouler les épaules vers le haut et puis vers le bas et vers l'arrière. Rentrez votre menton et vous allez fermer délicatement les yeux. Détendez votre visage. Respirez profondément. À l'inspiration, votre ventre se gonfle. À l'expiration, il se resserre. Ressentez la position de votre corps. Vos épaules relâchées, vos mâchoires desserrées. Vos yeux délicatement fermés. Ressentez votre connexion à la terre par votre bassin, peu importe où vous êtes assis, où vous êtes assis. Respirez profondément. Progressivement, essayez de ralentir votre respiration. Concentrez sur votre respiration. Vous pouvez compter 4 temps sur l'inspiration et 5 temps sur l'expiration. Et puis progressivement, vous pouvez compter 5 temps sur l'inspiration et 6 sur l'expiration. Comptez un temps de plus sur l'expiration.
votre temps. Vous êtes là pour vous. Votre respiration fait le lien entre votre corps et votre esprit. Ressentez ce lien fort, puissant, profond. Vous connectez. Créez cette unité en vous. Puis je vous propose aujourd'hui un mantra, une affirmation positive pour poser une intention sur cette journée. Vous pouvez choisir la vôtre. Ou vous pouvez répéter la même phrase que moi, à voix haute, à voix basse ou dans votre tête. Je suis une personne heureuse et prête à aller de l'avant parce que le moment le plus important de ma vie est l'instant présent. Je suis une personne heureuse et prête à aller de l'avant parce que le moment le plus important de ma vie est l'instant présent. Je suis une personne heureuse et prête à aller de l'avant parce que le moment le plus important de ma vie est l'instant présent. Une dernière fois ensemble. Je suis une personne heureuse et prête à aller de l'avant parce que le moment le plus important de ma vie est l'instant présent. Gardez les yeux fermés. Respirez calmement, profondément. Ressentez votre connexion à l'instant présent. Inspirez et soufflez. Gardez les yeux fermés et on va continuer directement sur le pranayama. Si vous voulez, vous pouvez venir placer une main sur votre ventre et l'autre sur votre cœur. Et on va faire des rétentions d'air poumons pleins, des apnées inspiratoires. On va inspirer sur 4 temps ou 5 temps si vous avez déjà une respiration plus longue. 3, 4. Et puis vous allez garder l'air dans vos poumons. Vous allez garder le ventre gonflé pendant 4 temps ou 5 temps si vous avez décidé de faire un temps de plus. Et on va ensuite souffler sur un temps supplémentaire à l'inspiration et à l'apnée. Donc ici 5 temps. Ou 6 si vous avez décidé de faire un temps de plus. Et on repart, inspire. 3, 4. Garde l'air dans tes poumons. 2, 3, 4. Et souffle. 2, 3, 4, 5. Ressens les mouvements de ton ventre, de ton buste. Inspire. 2, 3, 4. Garde l'air dans tes poumons. 2, 3, 4 et souffle, 2, 3, 4, 5, encore inspire, 2, 3, 4, ressens ton diaphragme appuyé sur ton ventre, il est descendu, il est contracté et tu gardes l'air dans tes poumons, 4, et tu souffles, 2, 3, ton ventre se resserre, 5, inspire, 2, 3, 4, garde l'air dans tes poumons, garde le ventre gonflé. Et souffle, 2, 3, 4, 5. Si ce rythme est déjà un peu difficile à tenir, garde-le, sinon on augmente d'un. Inspire, 2, 3, 4, 5. Reste, 2, 3, 4. 5 et souffle, 2, 3, 4, 5, 6, encore deux fois, inspire, 2, 3, 4,
5, reste, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5, 6, la dernière, inspire, 2, 3, 4, 5, garde l'air dans tes poumons, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis tout en gardant les yeux fermés, tu vas relâcher tes mains sur tes genoux. Cette fois-ci, tu vas poser la paume de main sur tes genoux et ressentir la connexion avec toi-même. Ressens cette énergie que tu as créée au niveau de ton cœur, au niveau de tes poumons. Ressens la joie, le bonheur grandir en toi. Et puis tu vas prendre une profonde inspiration et souffler la bouche ouverte. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux avec le sourire. Pour répondre à Delphine, il y aura un replay, oui. Au niveau de la connexion, je suis sur une connexion fibre, donc je pense que le souci est de ton côté. N'hésite pas à couper peut-être les autres appareils qui prennent de la connexion internet. Allez, on continue. On va maintenant échauffer la tête, amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche et souffler le menton vers le bas. Inspirez le menton vers le haut et soufflez le menton vers le bas. Allez le plus loin possible sans vous faire mal. Inspirez le menton vers le haut et soufflez le menton vers le bas. Encore, inspirez le menton vers le haut. Soufflez le menton vers le bas. On s'arrête à droite, inspirez. Et on repart dans l'autre sens. Soufflez le menton vers le bas. Inspirez le menton vers le haut. Soufflez le menton vers le bas. Inspirez le menton vers le haut. Un dernier cercle. Soufflez le menton vers le bas. Inspirez le menton vers le haut. Arrêtez voix droite et inspirez, revenez la tête au-dessus des épaules. Maintenant, nous allons faire un exercice d'ouverture du cœur. On reste en position assise en tailleur ou assise sur votre chaise. Inspirez, vous allez ouvrir les bras, étirez vos bras vers le ciel, gardez vos épaules bien basses et vous allez souffler, tirez vos coudes en arrière, regardez le ciel, on reste, inspire. Ouvre ton cœur, respire dans ton ventre, dans tes poumons et souffle, relève les bras vers le ciel. Inspire, redescends les coudes en arrière, resserre les omoplates et souffle, on remonte de suite, tends les bras vers le ciel. Inspire, descends les coudes en chandelier, ouvre ton buste, ouvre ton cœur et souffle, relève tes bras vers le ciel. Tu vas venir descendre ta main droite sur le côté et ouvrir ton poumon à gauche. Tu te penches sur la droite, garde bien tes épaules loin des oreilles, allonge ton bras droit et souffle, reviens les deux bras vers le ciel. Puis tu vas te pencher de l'autre côté, inspire, descends ton bras gauche sur le sol et penche-toi sur la gauche en étirant ton bras droit. Et souffle, reviens les deux bras vers le ciel. Inspire, descends le bras droit. Penche-toi, respire dans ton poumon gauche. Ouvre ton cœur à gauche. Et souffle, relève le bras droit. Descends le bras gauche, inspire. Étire ton côté droit. Respire dans ton poumon droit. Et souffle, reviens les deux bras vers le ciel. Inspire, descends tes bras le long du corps. Tu vas venir passer maintenant sur tes genoux.
et on va venir faire le chat dos rond, dos creux. Donc ici, tu es dans la posture de la table, tu as les poignets sous tes épaules, les genoux sous tes hanches, mais pas trop les épaules en avant, mais pas trop les hanches en arrière. Et c'est vraiment d'être le plus à l'écart possible. Et tu vas inspirer, creuser le dos. Éloigne tes épaules de tes oreilles, grandis-toi et souffle, rentre le ventre, regarde ton nombril, arrondis ton dos au maximum. Inspire, creuse le dos, ouvre ton cœur, shadow creux. Souffle, rentre la tête, repousse le sol, le dos bien. Inspire, creuse le dos. Éloigne tes épaules de tes oreilles. Et souffle, rentre la tête, repousse le sol, le dos bien. Inspire, reviens le dos plat. Et tu vas venir t'asseoir sur tes talons. Et tire tes bras loin devant. Pose le front sur le sol, relâche la tête. Relâche le dos, inspire, reste. Souffle, reste. Inspire, tu vas revenir à quatre pattes, retourner tes orteils pour prendre appui sur tes jambes et pousser tes hanches vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Tu vas marcher sur place pour étirer l'arrière de tes jambes, pour venir échauffer l'arrière de tes jambes. Inspire, souffle, reste, continue de marcher sur place. Inspire, tu arrêtes de marcher sur place et tu pousses tes épaules vers tes orteils. Ce n'est pas grave si tes talons ne touchent pas le sol, mais essaye de les amener le plus proche possible du sol. Plie un petit peu les genoux pour les ramener encore un peu plus proche du sol. Et ce n'est pas grave s'ils ne touchent toujours pas le sol. Inspire. Souffle, repousse le sol, les bras tendus, le poids du corps à l'intérieur de tes mains sur le pouce et sur l'index. Inspire, tu vas lever ta jambe droite vers le ciel, chien à trois pattes. Et souffle, tu vas ramener ton pied droit à l'avant du tapis. Reste en fente, ne pose pas ton genou gauche sur le sol. Inspire et souffle, tu vas ramener ton pied gauche à l'avant du tapis. Tu es en pince, debout, relâche la tête, relâche le dos. Plie un peu tes genoux pour relâcher ton bas du dos, pour ne pas forcer sur le bas du dos. Et puis tu vas inspirer, plier encore un peu plus les genoux et dérouler le dos doucement. En terminant par dérouler la tête. Paume de main vers l'avant, les épaules en arrière. Inspire, grandis-toi. Et souffle, amène tes mains en prière au niveau du cœur. Inspire, tu vas faire un grand soleil avec tes bras. Pousse le bassin en avant et souffle. Plonge en avant, allonge tes bras sur le côté pour venir en pince debout. Relâche la tête, relâche le dos. Inspire, redresse le dos plat de moitié, demi-pince debout. Rentre le menton, resserre les épaules en arrière. Et souffle, plie les jambes, pose les mains au sol et tu vas reculer ta jambe droite derrière. Pose ton genou droit sur le sol. Assure-toi de bien avoir ton genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Et tu vas te redresser, les bras vers le ciel en pente basse. Tire bien ta hanche gauche en arrière, pousse ta hanche droite en avant. Souffle, reste. Inspire, tu vas venir ouvrir tes coudes en arrière, resserre tes coudes en arrière. Les bras en chandelier, ouvre ton cœur. Et souffle, relève les bras vers le ciel, les épaules basses, inspire. Et souffle, ramène tes mains sur le sol. Retourne tes orteils à droite, repousse le sol, tends ta jambe droite, inspire. Et souffle, tu vas ramener ta jambe droite à l'avant du tapis, relâche la tête, relâche le dos. Pince debout, plie légèrement les genoux pour poser tes mains sur le sol. Inspire. Et souffle, plie encore plus et déroule le dos doucement. En terminant par dérouler la tête. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Paume de main vers l'avant, les épaules en arrière. Inspire.
tes mains en prière au niveau du cœur. Inspire, ouvre les bras et étire les bras vers le ciel. Pousse le bassin en avant. Regarde tes mains et souffle. Plonge en avant. Allonge le dos plat jusqu'à venir poser tes mains sur le sol. Relâche la tête, relâche le dos. Inspire, redresse le dos plat de moitié de mon pince-cou. Resserre les épaules en arrière, rentre le menton. Et souffle, plie les jambes, pose les mains au sol. Et recule cette fois-ci ta jambe gauche loin derrière. Pose ton genou gauche sur le sol. Et inspire, redresse-toi les bras vers le ciel. Tire ta hanche droite en arrière. Pousse ta hanche gauche en avant. Souffle, reste. Inspire, ouvre tes coudes en arrière. Resserre tes coudes en arrière. Rentre le menton. Ouvre ton cœur. Et souffle, relève les bras vers le ciel. Étire tes bras tendus vers le ciel, inspire. Et souffle, ramène tes mains sur le sol, retourne les orteils à gauche. Tend ta jambe gauche, inspire. Et souffle, ramène ton pied gauche à l'avant du tapis. Relâche la tête, relâche le dos, inspire. Plie les genoux et déroule le dos doucement. En terminant par la tête. Et on va retourner au sol. Inspire, pomme de main vers l'avant. Souffle, amène tes mains en prière au niveau du cœur. Inspire, fais un grand soleil avec tes bras. Pousse le bassin en avant, les épaules basses. Et souffle, plonge en avant, le dos plat, jusqu'à venir poser tes mains sur le sol. Relâche la tête, relâche le dos. Inspire, redresse le dos plat de moitié. Resserre les épaules en arrière, rentre le menton. Et souffle, plie les jambes, pose les mains au sol et recule tes deux jambes en arrière pour venir en chien, tête en bas. Inspire, tu vas venir lever ta jambe droite vers le ciel, chien à trois pattes. Et souffle, ramène ton pied droit entre tes mains à l'avant du tapis. Tu vas venir poser ton pied gauche à plat derrière, légèrement ouvert entre 30 et 45 degrés. Et tu te redresses d'abord dans la posture du guerrier 1. Lève tes bras vers le ciel, plie bien ton genou droit au-dessus de la cheville. Ne le laisse pas dépasser, ne le laisse pas tendu. Essaye vraiment de venir l'aligner avec ta cheville. Tire toujours bien ta hanche gauche, ta hanche droite en arrière et ta hanche gauche en avant. Ton pied gauche, ta jambe gauche, pardon, est tendue. Inspire, tu vas venir ouvrir les bras et entrelacer tes doigts dans ton dos. Pour ouvrir ton cœur, inspire. Et souffle, on va venir dans le guerrier en prière, se pencher en avant, amener son buste sur la cuisse, relâcher la tête, relâcher le dos. Inspire. Souffle, reste. Inspire. Et souffle, tu vas te redresser. Reprends un instant pour bien tirer tes mains vers le bas, ouvrir ton cœur, lève le regard vers le ciel. Et souffle, tu vas relâcher tes bras, revenir dans la posture du guerrier 1, les bras tendus vers le ciel. Et souffle, ramène tes mains sur le sol, repousse le sol pour venir en chien tête en bas. Inspire, tu vas lever la jambe gauche vers le ciel, chien à trois pattes. Souffle, tu vas ramener ton pied droit à l'avant du... Pardon, ton pied gauche à l'avant du tapis. Pose ta jambe droite, ton pied droit à l'arrière, le pied légèrement ouvert entre 30 et 45 degrés. Donc ta jambe gauche est devant et tu te redresses ici en fente. Garde bien les hanches tournées vers l'avant du tapis. Plie ton genou gauche au-dessus de la cheville et lève les bras vers le ciel. Inspire. Et souffle, tu vas venir ouvrir tes bras, enlacer tes doigts dans le dos, ouvre ton cœur, tire tes épaules en arrière, lève le regard sur le ciel et souffle, tu vas venir te pencher en avant pour le guerrier en prière. Tu amènes ton ventre sur ton genou gauche et tu tires le plus loin possible tes bras, loin de ton dos. Relâche bien la tête. Inspire. Et souffle, redresse-toi. Pousse sur tes jambes, garde l'équilibre. Et bien, tirez une fois de plus
tes bras vers le sol, tes doigts entrelacés vers le sol, regarde vers le ciel et souffle, relâche tes bras, relève les bras vers le ciel, guerrier 1. Inspire et souffle, ramène tes mains sur le sol, repousse le sol pour venir en chien tête en bas. Inspire. Et souffle, tu vas venir poser tes genoux sur le sol et on va venir dans la posture du chiot. Donc ici, tu essayes de bien garder tes hanches au-dessus de tes genoux et tu vas venir étirer tes bras devant toi comme un chien qui s'étire ou un chat qui s'étire. Tu viens poser ton front sur le sol, tes bras sont tendus, inspire. Et si tu peux aller plus loin, tu viens poser ton buste et ton menton sur le sol. Inspire, reste. Souffle, reste. Inspire. Et souffle, tu vas ramener tes mains sous tes épaules. En posture de la table, retourne tes orteils, prends appui sur tes jambes et pousse les hanches vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Inspire. Et souffle, tu vas marcher jusqu'à tes mains à l'avant du tapis. Plier les genoux et dérouler le dos doucement en terminant par dérouler la tête. Et on va venir s'ancrer à la terre avec la posture de l'arbre. Donc ici, tu vas venir ancrer ta jambe droite dans le sol et ouvrir ton pied gauche au niveau de ta cheville droite. Ici, soit tu restes là, si c'est déjà difficile, tu peux venir essayer de garder juste le bout des orteils sur le sol ou tu vas venir placer ta plante de pied au niveau du mollet. Si tu es bien ici, tu peux venir ici mettre tes mains en prière au niveau du cœur. Fixe un point devant toi dans la diagonale et si tu peux, tu viens lever ton pied gauche à l'intérieur de ta cuisse droite. Attention, c'est interdit de mettre au niveau du genou. Ancre tes pieds dans le sol, rentre le menton, grandis-toi et imagine comme des racines partir de ton pied droit et s'enfoncer dans la terre, s'ancrer à la terre, s'ancrer à l'instant présent. Inspire. Et souffle pour se connecter au ciel, à la terre et à tout l'univers. Vous allez venir lever vos bras vers le ciel. Peu importe où vous êtes au niveau de vos pieds, vous allez lever les mains vers le ciel. Les mains sont ensemble en prière, mais au-dessus de la tête. Inspirez, restez. Ancrez toujours bien votre pied droit dans le sol. Soufflez, restez. Inspirez et soufflez, on relâche son pied gauche sur le sol. On va faire la même chose de l'autre côté, mais avant ça, prenez un instant pour secouer vos jambes. Posez vos deux pieds sur le sol, fermez les yeux et vous allez prendre un instant pour ressentir votre corps, pour ressentir vos sensations. Inspirez et soufflez, ouvrez les yeux si vous les avez fermés, on fait la même chose de l'autre côté, ancrez votre jambe gauche dans le sol, venez ouvrir votre pied droit au niveau de votre jambe gauche ou au niveau de votre mollet, interdiction de le mettre sur le genou ou levez au niveau de l'intérieur de la cuisse. Parfois, les vêtements peuvent glisser également. N'hésitez pas à bien contracter votre cuisse de la jambe gauche pour venir créer un support solide à votre pied droit si vous avez décidé de mettre votre pied droit à l'intérieur de votre cuisse. Inspirez, ancrez votre jambe gauche dans le sol, ouvrez votre genou droit. Imaginez les racines partir depuis votre pied et s'ancrer dans la terre. Soufflez, restez. Inspirez, vous allez venir lever les bras pour vous connecter à l'esprit.
l'espace qui vous entoure pour vous connecter à l'univers. Inspirez. Soufflez, les mains sont connectées l'une à l'autre au-dessus de la tête et votre pied gauche est ancré dans le sol. Inspirez. Et soufflez, vous allez relâcher vos bras, relâcher votre jambe. Vous allez prendre un instant, secouer un peu vos jambes. Ancrez vos pieds dans le sol. Fermez les yeux un instant. Et soufflez, restez. Inspirez. Et on va reconnecter à l'intention de cette journée. Je suis une personne heureuse et prête à aller de l'avant parce que le moment le plus important de ma vie est l'instant présent. Répétez cette phrase avec moi. Je suis une personne heureuse et prête à aller de l'avant parce que le moment le plus important de ma vie est l'instant présent. Puis vous allez ouvrir les yeux, lever les bras parallèles au sol, les épaules basses, et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire augmenter son champ magnétique, pour faire rayonner son énergie positive, pour faire rayonner cette intention à l'espace qui vous entoure. Et vous allez relâcher vos bras le long du corps, arrêtez de tourner et fermez les yeux en ressentant ce léger déséquilibre et prenez plaisir à retrouver votre équilibre, à ancrer vos pieds à la terre. Inspirez. Soufflez, restez. Puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux avec le sourire et on va retourner au sol, pomme de main vers l'avant, les épaules en arrière. Inspirez. Soufflez, amenez vos mains en prière au niveau du cœur. Inspirez, vous allez ouvrir vos bras et étirez vos mains vers le ciel. Poussez le bassin en avant et soufflez. Plongez en avant le dos plat jusqu'à venir poser vos mains sur le sol. Relâchez la tête, relâchez le dos. Inspirez, redressez le dos plat de moitié, demi-pince debout. Resserrez vos épaules en arrière. Et soufflez, pliez les jambes, posez les mains au sol. Et reculez vos deux jambes en arrière pour venir en chien tête en bas. Inspirez, vous allez pouvoir venir croiser une jambe devant, croiser l'autre derrière et vous asseoir. Ici, je vous propose soit de venir dans la déesse allongée pour votre Shavasana, soit d'avoir les jambes allongées comme vous préférez. Je vais vous guider sur la posture de la déesse allongée, mais n'hésitez pas si vous voulez faire le Shavasana avec les bras le long du corps, les jambes écartées. Prenez votre liberté, choisissez la posture qui vous fera le plus de bien pour ce Shavasana. Donc pour la posture de la déesse allongée, vous allez venir connecter vos plantes de pied l'une à l'autre, ouvrir vos genoux, vous pouvez même si vous voulez placer une serviette roulée, un bloc dans votre dos. Hop, je peux par exemple prendre mon écharpe et en fait vous allez venir le placer au niveau du soutien-gorge pour les femmes, donc au milieu du dos pour les hommes, et vous allez venir ici relâcher votre tête en arrière. Donc vous avez un léger appui dans le dos qui vous permet d'ouvrir votre cœur et vous allez placer une main sur votre ventre, une main sur votre cœur et vous fermez les yeux. Respirez profondément. Et laissez-vous aller complètement dans cette relaxation. Vous vous sentez merveilleusement bien. Et vous ressentez l'énergie que vous avez créée en vous. Vous ressentez l'espace que vous avez créé en vous. Vous respirez profondément, calmement. Vous êtes merveilleusement bien.
Vous vous laissez aller au bruit de la musique. Et puis doucement, vous allez prendre une profonde inspiration et soufflez la bouche ouverte. Encore une fois, inspirez profondément. Et soufflez la bouche ouverte. Puis vous allez pouvoir bouger vos doigts, bouger vos orteils, vous étirer et peut-être même bâiller et venir me rejoindre en position assise pour terminer ce cours de yoga, pour terminer cette séquence. Aujourd'hui, je vous propose de chanter ensemble le son Om. Le son Om est le premier son à la création du monde selon la culture du yoga. Et ce son Om est divisé en trois sonorités, le A, le OU et le M. Le A va correspondre à des vibrations que vous ressentirez plutôt à la base de la colonne. Et donc ce sera des vibrations génératrices, créatrices. Ensuite, vous avez le OU, où vous allez le O que vous allez plutôt ressentir au niveau du milieu de votre colonne, au niveau du haut de votre ventre. Et donc ces vibrations vont être plutôt des vibrations de sécurité, de maintenance. Et le M va être des vibrations que vous allez plutôt sentir au niveau du sommet de votre crâne. Et ce sera des vibrations qui seront destructrices, ce sera des vibrations de transformation. Et donc, suivant ce que vous avez envie de travailler ou de plus, d'avoir un peu plus dans votre vie de la création, de la sécurité ou de la transformation, eh bien, vous pouvez insister sur le A, le O ou le M. On y va ensemble. Je vous propose de venir amener vos mains en prière au niveau du cœur, les épaules basses, fermez les yeux. Inspirez d'abord profondément et soufflez la bouche ouverte. On y va trois fois pour Om. Inspire pour Om. Ressens les vibrations se déplacer dans ton corps. Deuxième fois, inspire pour Om. Troisième et dernière fois pour Om, inspire. Prends une dernière grande et profonde inspiration. Et souffle, amène tes mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives et au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande et profonde inspiration et vous pourrez ouvrir les yeux avec un grand sourire et vous applaudir pour ce temps que vous vous êtes accordé ce matin. Merci d'être là, merci d'être venu sur le live. Je vais prendre le temps de lire chacun de vos messages. Aujourd'hui, vous avez reçu un mail où j'ouvre de nouveau les inscriptions pour la formation OE2B. Ça fait une semaine qu'on a lancé le programme OE2B. Ses objectifs étaient 2021 Banana. Ce sont des cours de yoga dynamiques. C'est la chrononutrition pour se sentir bien dans son corps, bien dans sa peau. Donc n'hésitez pas, c'est une offre exceptionnelle. Votre méthode est offerte avec votre abonnement aux routines Yoga Banana. Les routines Yoga Banana, c'est tous les jours à 7h30 en live. Je te réveille. Si tu ne te lèves pas à 7h30, plus tôt ou plus tard, tu les as en replay. Chaque jour, des routines différentes. Chaque jour, je suis ton coach personnel. Si tu as des questions à la fin du live, tu peux me les poser ou sur les replays ou en message. En étant membre de la team Banana, je prends le soin de personnaliser. Si tu as des difficultés, si tu as des problèmes, je peux t'aider à adapter avec mes connaissances de kiné. J'adapte vraiment
pour que ces routines soient accessibles et que tout le monde puisse les faire. Donc, je vais maintenant prendre le temps de lire vos messages. Il y en a beaucoup, nous étions presque 300 sur le live ce matin, de semaine en semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. J'espère que cette séance vous a fait du bien, a activé la joie en vous, la bonne humeur, que vous êtes heureux de vivre cette nouvelle journée, ce nouveau cadeau de la vie. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté. Et je prends le temps de répondre maintenant à chacun de vos messages. Je vous envoie beaucoup de bisous, beaucoup d'amour. Et donc, maintenant, on va lire les messages. Alors, hop, je remonte. Ok, je pense. Bonjour, c'est tous les dimanches. Oui, c'est tous les dimanches à 9h. Marie Mode, bon bah j'attends le replay puisque je me suis ratée ce matin. Tout de suite, pas de soucis. Les replays sont là pour ça. Tu as bien fait, tu avais besoin de dormir. Pas de problème, pas de culpabilité, surtout que du plaisir. Yasmine, oui, super séance, j'ai la banane. Est-ce que c'est tous les dimanches? Oui, c'est tous les dimanches à 9h, Yasmine. Je voulais aussi vous dire qu'il y a, en fait, le fait de cultiver la joie, c'est très important. À certains moments, on va avoir des émotions négatives qui viennent en nous et c'est normal. On a tous ce genre d'émotions, on va tous avoir des moments où on va être moins bien, le moral un peu plus bas. Et en fait, il est important de se reconnecter à l'instant présent, à se dire qu'est-ce que je veux à cet instant. Est-ce que je veux gaspiller mon énergie dans des énergies négatives, dans des choses qui ne me rendent pas heureuse, ou est-ce que je veux me concentrer sur un sentiment de joie, sur un sentiment de bonheur, parce que le moment le plus important, c'est le moment présent et tu ne sais pas ce qui peut arriver demain, tu ne sais pas ce qui peut arriver même tout à l'heure. Donc peut-être que si tu gardes cette émotion, bien sûr, on ne peut pas refouler nos émotions, il faut les accepter, mais le plus important est de très vite revenir à un sentiment positif, parce que la vie est précieuse, parce que chaque instant est précieux et que ça ne sert à rien de rester dans un sentiment de négativité, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère, que ce soit de la rancœur. Vraiment, essayez de lâcher prise sur toutes ces émotions négatives pour vous concentrer sur le positif, parce qu'il y a toujours du positif dans chaque situation. Vous pouvez toujours vous connecter au bonheur, à la joie et à l'amour. Voilà. Alors, je continue. Laura, je pense, merci pour votre générosité, avec grand plaisir. Namasté. Alors, Philippine, merci beaucoup. Moi aussi, je t'envoie beaucoup d'amour. Monica, merci Marie-Mathilde pour cette séance, avec grand plaisir. Namasté. Véronique Duez, merci, j'adore. Eh bien, avec grand plaisir, je suis ravie. Namasté. Petit Punk, merci beaucoup, avec grand plaisir. Très belle journée à toi. Karine, top, merci. Avec un petit clin d'œil, eh bien, je te souhaite une très belle journée, Karine. Alors, Catherine Mortir, merci pour la séance. Eh bien, avec grand plaisir. Namasté. Très belle journée à toi. Je lis encore un message sur Instagram et je passe sur Facebook. Alors, Purple for Girl, merci Marie-Mathilde. Eh bien, moi aussi, je t'envoie beaucoup d'amour. Namasté et une très belle journée à toi. Alors, hop, je remonte les messages sur Facebook. Vous êtes très nombreux. Alors, il y a en plus un léger décalage entre le moment où je lis les messages et ma réponse. Ok. Alors, merci Bass Bird. Tu es trop belle. Quelle jolie voix. Merci. C'est très gentil. Virginie, bonjour. Beaucoup de coupures, pas évident de suivre. Je le regarderai en replay. D'accord. Alors, je sache que je me suis rapprochée au maximum de la box pour avoir un maximum de connexion. Donc, je ne sais pas si ça vient de toi ou de moi. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient eu des coupures. N'hésitez pas sur le live à essayer de couper toutes les connexions qui pourraient prendre de votre bande passante d'Internet. En tout cas, je te souhaite une très belle journée et un très beau replay. Namasté, Virginie. Sabine, merci, avec grand plaisir. Namasté. Françoise Mouk, super. Eh bien, je suis ravie que cette séance t'ait plu. Magali, merci beaucoup. Avec grand plaisir, Magali. Namasté. Delphine, une première pour moi, j'ai trouvé ça super. Eh bien, je suis ravie, Delphine. N'hésite pas à venir intégrer la team Banana pour te réveiller chaque jour comme ça,
pour prendre le temps chaque jour de pratiquer et de cultiver la joie et la bonne humeur. Namasté, très belle journée à toi. Émilie Thomas, merci beaucoup, avec grand plaisir. Nathalie, merci, c'est un plaisir Nathalie, namasté. Florence, bonjour Florence. Karine, merci pour cette découverte, et bien avec grand plaisir Karine, namasté. Très belle journée à toi. Hélène, merci, bonne journée, avec grand plaisir Hélène, namasté. Dolphine, merci, même si c'était très entrecoupé, et bien avec grand plaisir, n'hésite pas à refaire le replay. Je ne sais pas ce qui a pu se passer pour tes coupures, tu n'es pas la seule apparemment. Mais je ne sais pas si tout le monde a eu des coupures. Je pense que si c'était tout le monde, j'aurais eu plus de messages. Donc, je pense que cela vient de ta connexion. N'hésite pas à couper les autres appareils qui pourraient te prendre de la bande passante. Émilie, Marie, j'ai une petite entorse sur le pied gauche. Quelle posture à adopter? Alors, tout dépend du mouvement de ton entorse. Si tu as fait une entorse en ramenant ton pied vers l'intérieur, surtout, évite du coup la posture en tailleur, puisqu'il faut éviter tous les mouvements qui vont venir amener ton pied dans le même mouvement que celui dans lequel tu t'es blessé. Ensuite, pour le pied, pour les entorses, ce qu'il faut, c'est que tu travailles ta stabilité. Et pour travailler ta stabilité, eh bien, il y a l'exercice simple de l'arbre, mais tu peux également aussi te mettre sur ton pied. Donc là, tu vois, je suis sur mon pied gauche, mais en fait, tu vois mon pied droit sur la vidéo. Donc ici, tu peux simplement venir faire ces mouvements d'avant en arrière, croiser devant, croiser derrière. Et du coup, ça va venir renforcer ta stabilité. Si tu sens qu'il y a des mouvements un peu difficiles à faire, normalement, sur une petite entorse, on n'immobilise pas. Mais tu peux mettre une contention souple, une sorte de chaussette un peu qui te maintient. Et plusieurs fois dans la journée, tu vas vraiment essayer de lever ton pied, tendre ton pied, lever ton pied, tendre ton pied pour garder les mouvements. Mais du coup, si tu t'es tordu la cheville dans ce sens, eh ben, ne fais pas ce sens. Vraiment, reste bien dans lever et pointer. Et d'ici 2 semaines, eh bien, tu pourras de nouveau essayer de retrouver une posture en tailleur. Mais pour l'instant, évite les postures qui amènent ton pied vers l'intérieur. Voilà, je te souhaite une très belle journée, Émilie. Marie-Odile, bonjour et belle journée, avec grand plaisir, namasté. Merci et belle journée à toi aussi. Fernanda, muito obrigada. Ok, je pense que ça veut dire merci beaucoup et bien avec grand plaisir, namasté. Latifa, namasté, moi aussi je t'envoie beaucoup d'amour. Atelier corporel, merci, avec grand plaisir. Valérie, quelle bonne séance, merci Marie-Mathilde, bon dimanche. Namasté, très bon dimanche à toi aussi. Et je retourne sur Instagram pour répondre à vos messages. Alors, Stéphanie, non, Nathalie d'abord. Namasté Nathalie. Je ne sais pas si tu es encore là, je t'envoie beaucoup d'amour. Stéphanie, merci à toi, c'était super comme d'habitude. Je t'envoie également beaucoup, beaucoup d'amour Stéphanie. Namasté et très belle journée à toi. Jade, top, bonne journée, avec grand plaisir. Namasté. Mes plus belles occasions, Emmanuel. Ok, bon dimanche et merci. Merci beaucoup Emmanuel, très bon dimanche à toi aussi. Merci d'avoir signé, je t'envoie beaucoup d'amour. Katia, merci, bonne journée à tous. Merci pour tous. Katia, je te souhaite également une très belle journée. Namasté. Monica, j'ai voulu m'inscrire mais j'ai été bloquée avec un moyen de paiement. Ok, eh bien, je ne sais pas quoi te dire. En tout cas, n'hésite pas à réessayer de t'inscrire pour pouvoir participer à ces routines et pour pouvoir peut-être avoir ta méthode offerte si tu le souhaites. Poisson bleu, merci pour cette séance. Bon dimanche. Merci beaucoup. Très bon dimanche à toi aussi. Je t'envoie beaucoup d'amour. Merci pour l'étoile. Namasté. Yasmine, merci, ça fait du bien. Eh bien, moi aussi, je t'envoie beaucoup d'amour, Yasmine. Je suis ravie que cette séance t'ait fait du bien. Beaucoup de bienfaits. Merci. Belle journée. Mode, eh bien, je te souhaite une très belle journée. Je pense que c'est toi, oui. Trois plumes, je pense que c'est Mode. Alors, pas à pas, merci beaucoup, bon dimanche, avec grand plaisir, namasté. Alors, V Boucher, merci, première séance avec toi, j'ai adoré, belle journée. Eh bien, merci beaucoup, je te souhaite une très belle journée, à toi aussi, peut-être Valérie, peut-être Véronique. En tout cas, V Boucher, je te souhaite une très belle journée, namasté.
Monica, je t'ai envoyé un mail, mais tu n'as pas répondu. Eh bien, je reçois beaucoup de mails et je fais de mon mieux pour répondre à chacun de vous. Tu fais bien de me le signaler. J'irai voir si tu me l'as envoyé ce matin. Eh bien, je prendrai le temps d'y répondre dès que je pourrai. Alors, Chris, merci beaucoup pour cette séance. Moi aussi, je t'envoie des bisous. Namasté, très belle journée à toi. Patricia, merci et bon dimanche. Avec grand plaisir, Patricia. Alors, Laetitia, merci Marie-Mathilde, très sympa la posture de la déesse pour finir. Très bon dimanche à toi. Merci beaucoup Laetitia, je t'envoie beaucoup d'amour. Merci pour le papillon, namasté. Et une très belle journée à toi aussi. Alors, 78 FMN, merci beaucoup pour cette séance, belle journée. Avec grand plaisir, namasté. Très belle journée à toi également. Karen, merci Marie-Mathilde pour cette magnifique séance, j'ai adoré. Avec grand plaisir. À demain, belle journée à toi. Merci beaucoup Karen. À demain, très belle journée à toi aussi. Namasté. Nathalie. Merci pour cette super séance. Belle journée à demain. Et bien avec grand plaisir Nathalie. Oui, merci à toi d'être là tous les jours. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain. Namasté. Ludivine, je lis un dernier message et je repasse sur l'autre. Alors bonjour, je regarderai en replay bon dimanche. Eh bien, je posterai le replay dès que j'aurai fini de répondre à tous vos messages. Ça risque de prendre un petit peu de temps. En tout cas, je réponds à tous mes messages. Namasté, très belle journée à toi. Et Sylviane, je crois que c'est ça. Merci. Eh bien, avec grand plaisir. Namasté. Alors, ensuite, Valérie Mani. Merci pour ce court premier direct top. Eh bien, je suis ravie, Valérie. Je te souhaite une très belle journée. Namasté. Véronique, merci et bon dimanche à toi. Avec grand plaisir, Véronique. Très bon dimanche à toi aussi. Namasté. Cathy, merci pour cette séance du dimanche matin. Eh bien, avec grand plaisir, Cathy. Namasté. Très belle journée à toi aussi, Stéphanie. Merci, Marie-Mathilde. La position du chiot est assez difficile si on ne bouge pas le bassin. Bonne journée à toi. Oui, ça vient travailler l'ouverture des épaules, l'ouverture du cœur. Ça viendra petit à petit à force de pratiquer. Au début, tu peux tricher un petit peu, bien sûr, si tu veux déplacer un peu ton bassin, mais essaye vraiment de garder le bassin au-dessus des genoux. Très belle journée à toi aussi, Stéphanie. Namasté. Alors, Katharina, merci pour votre gratitude. Avec grand plaisir. Namasté. Nathalie, merci mille fois à l'heure du pranayama avec la rétention poumon plein. Est-ce qu'on expire d'abord par le ventre ou d'abord par les poumons? Merci et encore et beau dimanche. Alors quand tu commences à expirer, tu commences à vider tes poumons. Et c'est ton ventre qui se resserre ensuite. Ça fait partie de la respiration complète du yogi où tu inspires d'abord par le ventre. Puis c'est ton buste qui s'élève et sur l'expiration, tu expires d'abord par le buste et puis par le ventre. Je te souhaite une très belle journée, Nathalie. Namasté. Nathalie Gass, merci, belle journée. Avec grand plaisir, namasté. Sandra, encore un grand merci pour ta bonne humeur, ta bienveillance. Belle journée à toi. Eh bien, avec grand plaisir, Sandra. Très belle et douce journée à toi aussi. Namasté. Sylvie, bonjour. Florence, merci beaucoup. Merveilleux dimanche. Avec grand plaisir, je t'envoie également beaucoup, beaucoup d'amour, Florence, et je te souhaite une très belle journée. Namasté. Azucena, merci et beau dimanche à toi, Marie-Mathilde. Avec grand plaisir, Azucena. Très beau dimanche à toi aussi. Namasté. Valérie, chaque super séance d'ouverture chakra du cœur. Les séances O2B sont géniales. Je vais de suite en faire une ou deux séances. Superbe journée, bisous et à lundi sur la team. Merci beaucoup Valérie. Je suis ravie que cette séance t'ait plu. Je suis ravie que tu aies envie d'enchaîner avec les séances de yoga dynamique de la méthode O2B. Et je te dis à demain en live ou en replay. Des gros bisous Valérie. Je t'envoie beaucoup d'amour. Namasté. Alors Françoise, j'adore, merci à vous. Avec grand plaisir Françoise, namasté. Tu as le même prénom que ma maman. Nathalie Théodore, merci pour ce réveil dynamique. Belle journée Marie-Mathilde. Eh bien avec grand plaisir Nathalie. Ce matin c'était plutôt une séance douce pour cultiver la joie, la bonne humeur.
si tu veux une séance dynamique, tu peux retrouver le replay de la semaine dernière. C'était une séance beaucoup plus péchue. En tout cas, je te souhaite une très belle journée, Nathalie. Namasté. Frédéric, génial, merci et bon dimanche. Avec grand plaisir, Frédéric. Namasté. Très belle journée à toi. Émilie, merci Marie-Mathilde, très belle journée. Merci à toi aussi, namasté. Claudine, merci, premier cours pour moi aujourd'hui. À demain, belle journée. Eh bien, avec grand plaisir, Claudine. Alors, je crois que c'est Laurence, en fait, où il y a quelque chose comme ça. En tout cas, bienvenue dans la team Banana. Merci à toi pour ta confiance. Merci de nous avoir rejoints sur le live ce matin. Et je te donne rendez-vous donc demain en live, peut-être à 7h30 ou en replay. Namasté. En tout cas, n'hésitez pas à faire comme Laurence ou Claudine et venir intégrer la team Banana pour vous réveiller chaque jour ou pour passer chaque jour 30 minutes à prendre soin de vous à n'importe quelle heure, l'heure qui vous convient, grâce au replay. Et vous pouvez également profiter d'une super offre de la méthode OE2B offerte avec votre abonnement aux routines Yoga Banana. Donc n'hésitez pas à aller voir sur votre mail. Je vais le poster également en lien sur cette page, en lien donc sur la bio. Donc n'hésitez pas à aller cliquer pour profiter de cette super offre. Vous avez jusqu'à demain soir, minuit seulement. Pour en profiter, je réouvre les inscriptions. Vous avez été nombreux à venir rejoindre cette méthode de préparation à l'été. Et maintenant, vous avez de nouveau l'occasion de pouvoir l'intégrer. N'hésitez pas. Et je vous souhaite une très belle journée. Namasté. Alors, Alice, merci beaucoup. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour également. Namasté. Très belle journée à toi. Aurélie, bonne journée et merci pour cette séance avec grand plaisir. Namasté. Bonjour, merci pour la séance Marie-Mathilde, à demain, replay comme d'habitude. Super, alors tu rends de menestrol, excuse-moi, est-ce que tu pourrais signer, comme ça j'aurai ton prénom, sinon je continuerai à dire ton nom. En tout cas, je t'envoie beaucoup beaucoup d'amour, des gros bisous, je suis ravie de t'avoir eu en live ce matin et je te dis à demain en replay, namasté. Edwige, merci pour la séance, toujours agréable. À demain pour les deux séances. Bon dimanche. Merci Marie-Mathilde. Avec grand plaisir, Edwige. Je t'envoie beaucoup d'amour également. Merci pour le papillon. Merci pour la petite coccinelle. Et je te souhaite une merveilleuse journée. Namasté. Fernanda. Moi aussi, je t'envoie des gros bisous. Coralie, bonne journée. Merci. Avec grand plaisir. Namasté. Corinne, merci pour cette séance. Je crois que c'est la première fois que je maîtrise parfaitement le home. J'ai ressenti pour la première fois le trajet de la vibration. C'est vrai qu'il faut du temps pour intégrer. Encore merci. Eh bien, je suis ravie que tu aies ressenti ce mouvement dans les vibrations, ce déplacement de ton énergie au cours du son homme. Je suis vraiment super heureuse pour toi. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était un grand plaisir de t'accompagner ce matin. Namasté. Delphine, quelle découverte superbe. Merci. Eh bien, avec grand plaisir, Delphine. Je suis ravie. N'hésite pas à venir intégrer la team Banana, à en profiter chaque jour. Chaque jour, je te partage cette énergie positive, cette bienveillance, cette bonne humeur pour que toi aussi, tu vives ta meilleure vie. Namasté. Corinne, merci pour cette belle séance. À demain, belle journée à tous et à toutes. Avec grand plaisir, Corinne. Namasté. Très belle journée à toi aussi et des gros bisous. Peggy, premier live, un pur plaisir. Pardon. Merci pour ce beau moment. Belle journée à tous. Eh bien, je suis ravie, Peggy, que tu aies pu t'accorder ce moment. Je ne sais pas si tu es toujours connectée. En tout cas, je l'espère que tu pourras écouter ma réponse. Je suis vraiment super heureuse d'avoir pu t'accompagner sur ce premier live et que tu aies pris ce pur plaisir. Namasté, très belle journée à toi. Et à très vite, des gros bisous. Alors, Pamela, merci. Belle journée à toi. Eh bien, avec grand plaisir. Namasté. Carinette, coucou Marie-Mathilde, waouh, génial cette belle séance. Envie d'ouvrir mon cœur, merci, merci, merci. Je te souhaite une très belle journée. Gros bisous, plein d'amour. Moi aussi, Karine, je t'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je suis ravie que cette séance d'ouverture du cœur t'ait fait du bien. Ça permet de réchauffer le cœur, ça permet
d'ouvrir le cœur. Je t'envoie encore une fois beaucoup d'amour. Merci pour tous ces cœurs et ces gros bisous. Et je te dis à demain. Namasté. Allez, je retourne un peu sur Instagram. Donc, Céline, namasté. Alors, est-il possible de voir la séance en replay? Je suis arrivée sur la salutation finale. Eh bien oui, tu vas avoir le replay juste après. Donc, je ne sais pas si tu es toujours connecté. En tout cas, je prends le temps de répondre à chacun de vos messages. Et ensuite, je poste la séance en replay. Elodie, merci beaucoup. Ça fait tellement de bien. Bien, je suis ravie. Namasté. Très belle journée à toi, Elodie. Yasmine, bon dimanche. Merci à toi aussi. Sylviane, belle séance. Avec grand plaisir, Sylviane. Namasté. App Ars. Ok, App Ars. Merci beaucoup pour cette belle séance. Un réveil en douceur pour l'instant présent. Bon week-end à toi, à tout le monde, Virginie. Avec grand plaisir, App Ars. Je crois que tu as demandé déjà à intégrer le groupe de la Team Banana. Virginie, il y a des Virginie qui sont dans la Team Banana. Seulement, si tu ne m'envoies pas de message, eh bien, je ne pourrai pas deviner qui tu es. Donc, envoie-moi un message privé si tu veux que j'accepte ta demande dans la Team Banana. Namasté. Et si tu fais bien sûr partie de la team. Muriel, merci. Bien belle journée à toi. Eh bien, avec grand plaisir. Namasté. Très belle journée à toi aussi, Muriel. Elodie, très belle journée, namasté. Merci beaucoup, namasté, très belle journée à toi aussi. Scristo, merci pour cette séance, avec grand plaisir, namasté, très belle journée à toi. Julie, merci pour la séance et bon dimanche. Avec plaisir, Julie, je suis ravie de t'avoir eu en live aujourd'hui. Tu n'es pas avec ta sœur aujourd'hui. En tout cas, je te souhaite une très belle journée. Je t'ai ravie de t'avoir en live ce matin. Des gros bisous, Julie, namasté. Gaëlle, mon mental est apaisé et je suis détendue. Merci, belle journée à tous. Et bien, avec grand plaisir, namasté. Et je te souhaite une très belle journée, Gaëlle. Merci d'être là depuis le début des routines. Vanessa, merci à vous. Pour votre programme, est-il accessible à vie ou est-ce juste un abonnement ponctuel? Bon dimanche. Eh bien, la méthode E2B qui t'est offerte dans l'abonnement aux routines, tu as cet accès à vie. Une fois que tu as pris l'abonnement, elle t'est offerte et c'est un accès illimité. Tu auras toujours accès à cette formation de ton programme, de ta méthode OE2B. Namasté, très belle journée à toi. Alors, Purple for Girl, très belle journée lumineuse, namasté. Avec grand plaisir, moi aussi je t'envoie beaucoup d'amour, namasté. Sophie, toujours un bon moment tous les jours. Bon dimanche à toi, à tous et à toi et même avec la banana. Merci beaucoup pour ce smiley trop mignon. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Une très belle journée à toi. Je suis ravie de pouvoir t'accompagner tous les jours, Sophie. Namasté. Alors, Manabelle, merci beaucoup. Une très belle découverte, namasté. Bien, avec grand plaisir, Manabelle. Namasté. Très belle journée à toi. Et j'espère te retrouver dans la team très bientôt. Renard, merci pour cette belle séance. Avec grand plaisir, namasté. Très belle journée à toi. France, mille merci pour cette séance. Bon dimanche à tous. Namasté, à demain. À demain, France, namasté. Très belle journée à toi. Alors, Sylviane, hop. Belle séance, tu m'as donné la pêche. Eh bien, je suis ravie, Sylviane. Très belle journée à toi. Rayonne cette énergie, rayonne cette pêche tout au long de la journée. Candy, merci beaucoup pour cette séance. Namasté, avec grand plaisir. Namasté, très belle journée à toi. Chantal, merci, très bonne séance. Merci d'avoir signé. Je t'envoie également beaucoup d'amour, Chantal. Namasté, très belle journée à toi. Claude, merci beaucoup, belle journée. Avec grand plaisir, Claude, très belle journée à toi aussi. Namasté. Katia, non au négatif, oui le positif et le sourire. Exactement, c'est tout à fait ça, Katia. Et ceci rentre dans la loi de l'attraction, dans le cercle vertueux, dans la pensée positive qui amène des actions positives qui entraînent ce cercle vertueux. Namasté, très belle journée à toi. Yasmine, merci pour le cœur. Alexandrine, tellement vrai, tu le dis avec les bons mots, la douceur. Merci infiniment pour tout cela. Eh bien, merci beaucoup, moi aussi. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Namasté. Une très belle journée à toi. Isabelle, merci beaucoup. Je t'envoie également beaucoup d'amour.
Alexandra, bonjour, comment fait-on pour voir le replay STP? Eh bien, je le poste juste après. Une fois que j'ai terminé le live, tu l'auras accessible en replay. Alors, Cédesle, ok, c'est ce que je viens de lire. Ah non, c'est la même question, donc du coup, je viens de répondre. Chloé, bonjour. J'espère que tu vas bien, Grillon. Merci beaucoup, Marie-Mathilde. J'ai pris beaucoup de plaisir à cette première séance découverte. Est-ce aussi efficace de faire les séances le soir? Oui, tu peux faire ces séances le matin, le soir. L'important, c'est de te faire plaisir. Ce qui est le plus efficace, en réalité, c'est de le faire tous les jours. Tous les jours, 30 minutes de yoga, ce sera le plus efficace. Que tu le fasses le matin ou le soir, c'est toi qui décides. Vraiment, le plus important, c'est de pratiquer le yoga tous les jours. Namasté, très belle journée à toi. Véronique, je reprends avec plaisir aujourd'hui. Très bien, bisous. Eh bien, je suis ravie. Namasté, très belle journée à toi, Véronique. Où est le lien pour intégrer la team avec le bonus? Eh bien, Véronique, envoie-moi un message, je te le renverrai en privé. Sinon, pour l'instant, il n'est pas encore actif sur la page. Donc, je vais te l'envoyer. Ou alors, dans ma bio, peut-être que tu peux cliquer sur le replay et ça va t'amener à un chemin. Donc, n'hésite pas à aller directement cliquer dans ma bio pour y accéder. C'est exactement la même offre. Mais du coup, sinon, tu m'envoies un petit message et je te l'enverrai en privé. Namasté, très belle journée à toi. Alors, Corinne, c'est tous les dimanches? Oui. Y a-t-il des replays? Oui. Merci, c'est aussi en semaine, oui, avec l'abonnement en routine Yoga Banana, en intégrant la team Banana. Namasté, très belle journée à toi. Yasmine, c'est mon premier live, j'adore, namasté. Bien, je suis ravie, Yasmine, namasté. Très belle journée à toi, je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Émilie, merci pour ce live, à demain matin pour E2B et en replay pour la routine après ma journée de reprise. Eh bien, bon courage pour ta reprise. Positive attitude, vraiment, c'est le plus important d'aller au travail avec le sourire, de ne pas cultiver d'énergie négative et de te concentrer sur le positif. Bonne reprise à toi. Je te souhaite un merveilleux dimanche. Namasté. Et je te dis à demain en replay. Allez, je retourne sur Facebook. Nathalie, Nathalie, super merci. J'adore, encore une nouvelle posture pour moi. Le guerrier en prière, j'ai adoré. Je progresse dans la posture de l'arbre, trop contente. Eh bien, je suis ravie, Nathalie, Nathalie, que tu aies à cette progression et que tu aies découvert une décidément une nouvelle posture. De parler pendant plus d'une heure, ça fatigue un petit peu, je bug un petit peu. En tout cas, je fais ce que je peux pour lire vos messages sans accroche. En tout cas, je suis ravie, Nathalie. Je te souhaite une merveilleuse journée et je t'envoie des gros bisous. Namasté. Estelle, merci Marie, à demain. À demain, je t'envoie également beaucoup d'amour. Namasté. Fabiola, merci beaucoup. La belle Mathilde, c'est un plaisir d'être avec toi ce matin. Très bon dimanche à toi. Gros bisous de l'île Maurice. Eh bien, Fabiola, merci d'être venue sur le live. Merci pour ton message. Je t'envoie des gros bisous également. Et je te dis à très vite. Namasté. Alors, hop, gourou. On bannit. Hélène, merci, c'était très agréable. Je vous souhaite une très belle journée avec grand plaisir, Hélène. Namasté, très belle journée à toi. Agnès, merci Marie-Mathilde. Plus d'équilibre ce matin, ça fait du bien. J'étais un peu raide au réveil. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup Agnès, je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Namasté, très belle journée. Et je te dis à demain. Alors, hop, les gourous, on bannit. Sylvie Ferreira, merci, belle journée à toi et à tous ceux connectés. Merci beaucoup Sylvie, namasté, très belle journée à toi aussi. Cynthia, merci pour ce live, pour ce beau cadeau de l'instant présent, namasté. Avec grand plaisir Cynthia, namasté, très belle journée à toi. Séverine, namasté, belle séance avec des découvertes, je vais devenir accro. Pour la position du chiot, l'étirement fait mal aux épaules. Merci à toi. Alors, je ne l'ai pas proposé, mais tu peux également venir poser un coussin sous ton front pour venir travailler parce que du coup, ça demande beaucoup d'ouverture au niveau des épaules. Donc, pour être plus confortable dans cette position, n'hésite pas à mettre quelque chose qui vient t'aider à poser ta tête, ton front sur le sol. En tout cas, je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour, Séverine. Namasté. Très belle journée et à demain.
Alors Christelle, merci pour ce cours. Bon dimanche à toi. Avec grand plaisir Christelle. Namasté. Très bon dimanche à toi aussi. Muriel, super séance. Marie-Mathilde, passe un beau dimanche à demain. À demain Muriel, namasté. Très belle journée à toi aussi. Marcel, connexion toujours difficile pour le live. Merci pour ce beau cours. Belle journée à toi et à tous Marcel. Alors, si ta connexion est toujours difficile, n'hésite pas à essayer de couper les autres appareils qui peuvent être connectés à ton internet, qui pourraient prendre de la bande passante. Peut-être ça peut être aussi les mises à jour de tes applications sur ton téléphone parce qu'il y a des mises à jour automatiques qui se font presque chaque seconde sur les téléphones. Donc n'hésite pas à déconnecter ça pour pouvoir avoir une meilleure bande passante sur ton live. En tout cas, je te souhaite une très belle journée. Namasté. Estelle, bonjour, j'ai fait ma première séance hier en fin d'après-midi. Cela m'a beaucoup plu. J'ai d'ailleurs étonnamment quelques courbatures. J'ai une question, j'aimerais faire ces séances plutôt en fin de journée car le matin je dois partir tôt au travail. Est-ce que cela est gênant car l'objectif de ces séances est un réveil en douceur? De plus, quelle est la fréquence conseillée pour une vraie efficacité? Estelle. Eh bien Estelle, pas de problème, beaucoup de personnes, de membres de la team font ces lives en replay le soir après leur journée. Ça permet en fait de venir se reconnecter à soi pour passer une soirée plus tranquille, en douceur, d'être détendu et de pouvoir se reposer correctement pour pouvoir passer une belle journée le lendemain. Donc pas de problème pour faire ces routines le soir et la fréquence idéale, c'est tous les jours. Voilà, tu peux avoir un jour de pause, mais l'idéal c'est vraiment d'avoir tous les jours une routine de 30 minutes de yoga. Namasté, très belle journée à toi Estelle, j'espère que tu es encore là pour écouter ma réponse. Merci Véronique pour ton message, tu es super. Moi aussi, je t'envoie beaucoup d'amour. Geneviève, merci pour cette séance, la première pour moi. Eh bien, je suis ravie Geneviève. N'hésite pas à venir intégrer la Team Banana pour avoir ces routines tous les jours. Namasté, très belle journée à toi. Françoise, exercice pour savoir gérer le stress et la mémoire. Oui, qu'est-ce que c'est? Faire du yoga. Faire du yoga, s'ancrer dans l'instant présent, Françoise. Voilà, je te souhaite une très belle journée. Solange, merci beaucoup pour ce démarrage. Je vais partir maintenant pour une virée en vélo. Eh bien, très belle virée en vélo à toi, Solange. Peut-être que tu es déjà partie du coup pour ta virée. En tout cas, j'espère que tu prendras beaucoup de plaisir. Je t'envoie également des gros bisous. Et un très bon dimanche. Namasté. Véronique, merci pour ce live, bonne journée avec grand plaisir, très belle journée à toi aussi Véronique Poujol. Ensuite il y a Véronique Dufour, merci et bonne journée à tous, j'étais en retard et j'ai eu du mal à trouver le bon lien sur mon ordinateur, je ferai en replay. Oui, il y a plusieurs espaces le dimanche, c'est donc sur la page publique. J'ai envoyé un mail hier justement pour le redonner. En tout cas, je pense que tu vas bientôt t'habituer aux différents groupes. La semaine, la Team Banana. Et ensuite, le dimanche, le Yoga Banana, la page publique et ton espace de formation. Voilà, très belle journée à toi. Edith, merci Mathilde, quel bonheur le dimanche matin. Vous êtes un rayon de soleil. Merci, encore merci pour ce sourire, cette bienveillance. Belle journée. Merci beaucoup Edith. Tu peux me tutoyer s'il te plaît. Ça me ferait très plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour ton message. Merci pour la comparaison au rayon de soleil. Ça me touche beaucoup. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Namasté. Alors, tac. Encore un marabout. Zora, namasté. Namasté Zora. C'est un très joli prénom. Chris, bonjour et merci pour cette séance. Quelles sont les positions à éviter en cas de conflit fémoraux acétabulaire, s'il te plaît? Eh bien, au niveau du cou, je pense que c'est au niveau de la hanche fémoraux acétabulaire. Et donc, les postures à éviter en cas de conflit fémoraux acétabulaire, eh bien, ce sera les postures, j'imagine, d'ouverture de hanche forcée. Essaye d'y aller progressivement. Mais le problème du conflit, de ce conflit-là, eh bien, c'est de justement créer de l'espace tout de même. Donc, il faut travailler l'ouverture de hanche, mais vraiment en douceur et y aller vraiment progressivement de pouvoir justement te redonner de la souplesse
pour éviter justement ce conflit. Donc il n'y a pas vraiment de posture à éviter. Ce qu'il y a à éviter, c'est de se faire mal. Dès qu'il y a une posture qui te fait mal, si tu sens que ça tire, c'est bon. Si tu sens que ça te fait mal, eh bien, ce n'est pas bon. Voilà, je te souhaite une très belle journée. Namasté. Alors, Fabienne, coucou, super génial la séance. Problème de kyste poplité. Tu as des conseils? Alors, le kyste poplité, non, il n'y a pas de conseil particulier. C'est vraiment quelque chose, j'en ai plusieurs au cabinet. On ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas trop comment ça part, comment... moi, je te conseille de pratiquer le yoga. En pratiquant le yoga, tu vas permettre de donner de la mobilité à ton corps, tu vas permettre de drainer ton corps. Et peut-être que grâce à cette mobilité, grâce à ce drainage qui est induit par ta pratique du yoga, eh bien ça va te permettre d'évacuer ce kyste. Pas de posture particulière. Tu peux faire peut-être un peu du drainage où tu vas venir ici masser ton creux poplité avec tes doigts en venant ici stimuler ton kyste poplité, mais c'est tout ce que tu peux faire. Voilà, je te souhaite une très belle journée. Alors Sylvie, bonjour, je ferai un replay. Oui, je le poste dès que j'ai terminé de répondre à tout le monde. Ça décale toujours un petit peu plus. Peut-être que je limiterai à une heure de live les prochaines fois. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous répondre à tous. Donc j'aime prendre ce temps. Donc je suis désolée Sylvie, il va falloir patienter encore un petit peu avant que je poste le replay. Namasté. Alors Stéphanie, une première, très bon moment, bien que débutante, est-ce que tous les dimanches, un niveau accessible à tous, toute rouillée et vert moulu, il faut que je me bouge, mais en douceur, et cette séance était parfaite pour moi, merci beaucoup. Eh bien oui, toutes les routines sont accessibles aux débutants. Dans le programme OE2B, il y a des vidéos débutants et des vidéos intermédiaires avancées. Mais sinon, les routines Yoga Banana, tous les jours, c'est pour tous les niveaux. Je propose des options. Si tu es plutôt débutante ou intermédiaire avancée, eh bien tu as des options pour pouvoir adapter ta pratique. En tout cas, j'étais ravie de t'accueillir ce matin. Je te souhaite une très belle journée. Namasté. Et c'était un grand plaisir. Laurence, merci Marie-Mathie. J'ai fait la séance dehors ce matin. Un vrai bonheur. Trop bien, tu as eu trop raison. Et ce matin, je m'efforce avec mes émotions positives. Ton discours est important car il nous remet sur la bonne voie. Merci beaucoup pour ce bonheur et cette joie. Très belle journée à toi. Merci beaucoup Laurent, ça me touche beaucoup ton message. Je suis vraiment ravie de pouvoir te partager cette positivité. Je suis ravie que mes mots te touchent, que mon énergie vienne jusqu'à toi pour t'aider à être positive également. Je te souhaite une merveilleuse journée. Namasté. Ghislaine, bonne séance avec ton sourire, avec grand plaisir. Namasté, très belle journée à toi. Sophie, merci pour cette belle séance d'ancrage à la terre. Avec grand plaisir Sophie, moi aussi je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Tu as mis les cœurs dans le sens des chakras. C'est trop mignon. Namasté. Florence, belle rencontre, beau moment. Merci de ton partage, avec grand plaisir. Je t'envoie beaucoup d'amour, Florence Frémont, namasté. N'hésite pas à venir intégrer la team Banana. Sylvie, merci, mon premier live, super. Eh bien, je suis ravie, Sylvie. Namasté, très belle journée à toi. N'hésite pas à venir intégrer la team. Tu as reçu un lien, si tu es dans ma newsletter, pour venir intégrer ce programme, cette méthode OE2B qui t'est offerte avec ton abonnement aux routines Yoga Banana. N'hésite pas à en profiter, c'est une super promo qui aura lieu que jusqu'à demain soir. Donc vas-y, c'est le moment. Namasté, très belle journée à toi. Isabelle, merci beaucoup pour cette séance connexion au top. Je suis dans une passe difficile en ce moment où je n'arrive pas à voir le côté positif. Je suis remplie d'angoisse et de vide. Ça m'a fait beaucoup de bien. Vous êtes une beauté intérieure et extérieur, un vrai soleil. Merci beaucoup. Merci, je t'envoie également beaucoup, beaucoup d'amour. Bon courage à toi, ça va venir. Essaye petit à petit, en fait, une première pensée négative, tu essayes de la transformer en positive. Et au fur et à mesure, tu vas voir que ça va revenir naturellement. Au début, c'est difficile de sortir de ce cercle négatif, de ce cercle vicieux. Mais en fait, il suffit
d'une action positive qui va entraîner une réaction positive, qui va entraîner du coup un sentiment de fierté, un sentiment positif. Et en fait, tu vas rentrer dans ce cercle vertueux où tu vas de nouveau avoir une nouvelle pensée positive, une nouvelle action positive. Et petit à petit, tu vas toi aussi pouvoir vivre ta meilleure vie. N'hésite pas à venir intégrer la Team Banana. Tous les jours, je t'accompagne. Tous les jours, je te motive à être la meilleure version de toi-même. Je t'envoie beaucoup d'amour. Isabelle, namasté. Très belle journée à toi. Alors, Yasmine, peux-tu redire ce que c'est le OE2B? OE2B, c'est une méthode, c'est une nouvelle méthode. Ça fait une semaine que nous avons commencé ce programme. C'est des séances de yoga dynamique. Il y a 4 séances de yoga dynamique par semaine. C'est un programme sur 8 semaines où tu as 20 vidéos de ton niveau. Donc en réalité, il y en a beaucoup plus parce qu'il y a niveau débutant et niveau intermédiaire. Et du coup, tu vas donc 4 jours dans la semaine avoir une séance de 12 minutes différente chaque jour de yoga dynamique. Et le samedi, c'est une séance plus longue puisqu'il n'y a pas de live le samedi. Les routines Yoga Banana, c'est du dimanche au vendredi, 30 minutes chaque jour. Et donc le vendredi, dans ton programme OE2B, tu as une séance plus longue, entre 40 et 45 minutes. Et tu as également la chrononutrition qui va te permettre de trouver ton poids idéal. La chrononutrition, ce n'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire pour manger les bons aliments au bon moment. Donc tu as ton guide de la chrononutrition avec quelques recettes et tu as également accès à un groupe de motivation OE2B pour pouvoir te motiver et pour pouvoir suivre l'évolution de ton programme. Voilà, je te souhaite une très belle journée Yasmine. Namasté. Katharina, en cas de fibromyalgie, pas de contre-indication? Merci. Eh bien non, au contraire, c'est une indication le yoga, Katharina, en cas de fibromyalgie. Toutes les maladies comme ça, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, toutes les maladies chroniques qui entraînent des douleurs, eh bien algoneurodystrophie également, eh bien il faut bouger. Plus tu bouges, moins tu auras mal. C'est assez contradictoire parce que tu te dis « Ah, j'ai mal, il ne faut pas que je bouge. » Eh bien, si, bouge, mais de la bonne manière. Ne force pas, ne te fais pas mal, mais bouge, c'est très important. Namasté, très belle journée à toi. Zora, excellent. Merci Zora, beaucoup d'amour à toi aussi, namasté. Alors, je suis bientôt à la retraite et j'ai beaucoup de crises d'angoisse et j'ai très mal, merci. Eh bien, commence à pratiquer le yoga, tu verras petit à petit, fais ce que tu peux dans les mouvements. Déjà pour tes crises d'angoisse, eh bien, ça va te permettre de les canaliser, de peut-être mieux les maîtriser. Petit à petit, bien sûr, ça ne va pas venir du jour au lendemain. Et de cultiver ton énergie positive, ta positivité, ça va t'aider également à éloigner ces crises d'angoisse. Et pour tes douleurs, eh bien, le mouvement va t'apporter de la liberté et donc de la mobilité dans ton corps et donc plus, enfin, moins de douleur, plus de mobilité. Alors, bonjour, que faire pour lâcher prise? Eh bien, pratique le yoga. Pour lâcher prise, pratique le yoga, intègre les routines Yoga Banana. Tous les jeudis avec la Team Banana, on fait la danse de la vie où je mets une musique entraînante, pleine de joie, où tu vas venir danser. Pour lâcher prise, chaque jour, je te guide sur une routine de yoga où du coup, tu n'as plus qu'à te laisser guider par mes indications qui sont claires, où tu vas pouvoir justement te connecter à toi-même, connecter ton corps à ton esprit, te connecter à l'instant présent. C'est un travail de tous les jours. Il n'y a pas un exercice miracle pour le faire et y arriver direct. C'est vraiment un travail de tous les jours où tu vas pouvoir pratiquer le yoga tous les jours pour lâcher prise, pour savoir lâcher prise, pour savoir être la meilleure version de toi-même. Namasté, très belle journée à toi. Aurélie, Lily, merci Maïmati, c'était super comme d'habitude, je n'ai pas les moyens de m'abonner à tes cours malheureusement, mais je te suis sur Facebook, je te souhaite une très belle journée, chère consoeur. Eh bien Aurélie, avec plaisir, tu peux me suivre sur tous les dimanches, je suis là en live. Tu as tous les replays, n'hésite pas à aller pratiquer, à refaire la même séance. S'il y a une séance qui t'a plu, eh bien tu l'enregistres,
tu la partages également, ça me fera très plaisir. En tout cas, je suis ravie de pouvoir t'accompagner. Je t'envoie des gros bisous et je te dis à très vite. Namasté. Valérie, belle journée, au plaisir, avec grand plaisir. Valérie, une autre Valérie, bonjour de Colmar, je ferai un replay. Belle journée à tous, namasté. Eh bien, dès que je peux, je poste cette séance en replay. Salut Max. Merci, oui, je me porte bien, j'espère que toi aussi. Alors, coucou ma cousine, tu t'envoies également beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, Maryse, l'ouverture du cœur au sens propre et figuré. Exactement, Maryse, je t'envoie également beaucoup d'amour. Namasté et bienvenue dans la team. Katharina, en cas de fibromyalgie, yes, j'ai déjà répondu. Estelle, très joli endroit pour la séance. Merci beaucoup, namasté Estelle. Aliou, merci. Nisna, d'accord. Evelyne, merci pour cette séance avec grand plaisir. Namasté. Alors, Émilie, je n'ai pas reçu ton lien pour les 45 minutes de samedi. D'autre part, voici deux questions. Émilie, il n'y a pas de lien pour ta méthode. Tu es autonome. Tu vas chercher dans ton espace de formation chaque jour les séances que tu souhaites faire. Tu es complètement autonome. Ce cours du samedi est disponible sur ton espace de formation, sur ta méthode OE2B. Namasté, très belle journée à toi. Et non, du coup, je réponds à tes questions. J'ai une entorse à la cheville gauche, petite entorse qui se réveille suite à une petite course. Quelle posture à éviter? Alors, j'ai répondu déjà à cette question en début de live. Quand on expire pour gonfler son ventre et on le rentre ensuite, faut-il souffler par le nez, par la bouche? Merci de ton retour. Donc, Émilie, je reprends. Pour une entorse, il faut éviter de faire le mouvement de ton entorse. Donc si tu t'es tortu le pied dans ce sens, eh bien, tu ne dois pas faire ces mouvements-là. Donc par exemple, la posture en tailleur, eh bien, évite-la. Ensuite, tu as des exercices à faire pour travailler ton équilibre, notamment la posture de l'arbre, où tu vas venir en fait travailler ton équilibre en charge. Ça te permettra de ne pas venir te blesser. Et ensuite, pour faire les mouvements de pied, eh bien, essaye de rester toujours dans l'axe de ton pied, surtout de ne pas venir amener ton pied, voilà, vers l'intérieur. Ensuite, pour respirer, on respire par le nez, sauf lorsque je demande d'expirer par la bouche ou d'inspirer par la bouche. Il y a certains pranayamas qui nécessitent de respirer par la bouche. Je te souhaite une très belle journée, Émilie. Namasté. Alors, l'overgas, vous transmettez une paix, une douceur et un yoga de qualité. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Je te souhaite une très belle journée, l'overgas. Sylvie, position de l'arbre, pourquoi ne faut-il pas mettre le pied sur le genou du pied d'appui? Eh bien, parce que ça va entraîner une force sur ton genou est une articulation. Si tu viens comprimer ton articulation, le pousser vers l'extérieur, tu vas créer une contrainte qui va abîmer ton genou. Voilà, je te souhaite une très belle journée. Tac. Bonjour. Ok. Alors, ça y est, on a fini. Hop. Alors, ok. J'ai fini de répondre à tout le monde. Alors, hop, je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie plein d'amour, des gros bisous, namasté. Et je vous dis à très vite, à demain pour la Team Banana. Allez-y, n'hésitez pas à profiter de cette offre. Je vais mettre le lien tout de suite dans le replay. Et ensuite, je vous retrouve donc demain avec la Team Banana. Namasté, très belle journée à tous. Des gros bisous et beaucoup d'amour. Ciao, ciao!